Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 1er mai pour le colis surprise d'avril. Oui, 1er mai, avril, tu m'en veux pas, je suis un tout petit peu en retard parce qu'on a démarré les travaux de la piscine et je touche pas terre. Et puis, ne t'inquiète pas, je te prépare plein de super tutos pour me faire pardonner. Comme d'habitude, on va commencer cette vidéo sur le colis surprise en annonçant le gagnant du colis surprise de mars 2019. Donc pour ça, je vais prendre l'URL, copier... Hop, je vais venir la coller ici. Ça va me faire un tirage au sort. Coller et charger les commentaires. Donc là, le logiciel est en train de charger tous les commentaires. Et une fois que tous les commentaires seront chargés, on pourra tirer au sort le winner. Alors, comme d'hab, je vous reprécise... que quand vous voulez participer à ce genre de petit concours que j'organise avec Bizline, qui a quand même la gentillesse de faire gagner du matos tous les mois à tous les bichons, donc déjà rien que pour ça, vous pouvez liker la vidéo et puis aller leur faire un petit coucou ou leur mettre un petit message gentil, ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain. Mais je vous rappelle surtout qu'il faut marquer « Je participe » dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook, sur Twitter ou quoi que ce soit, ça sert à rien de marquer « Je participe » là-dessous. Il faut marquer « Je participe » sous la vidéo sur YouTube. Donc c'est bon, le logiciel nous a trouvé 4232 commentaires uniques. On va tirer au sort un gagnant tout de suite qui va gagner le colis surprise du mois de mars 2019. Redernière petite précision, je précise que si le gagnant a marqué un gentil message, etc., c'est bien, c'est tant mieux et merci, ça me va toujours droit au cœur. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'il ait marqué « Je participe ». Si ce n'est pas marqué « Je participe », on est bien d'accord, c'est la règle, on refait un deuxième tirage au sort. Allez, c'est parti. Donc là, on a marqué, on a ça et attention, c'est parti. Et donc, c'est BVFRA2238. Je participe. Merci beaucoup pour tes vidéos. Voilà, bon bah écoute, félicitations à toi, mon petit bichon. Tu viens de gagner l'intégralité du colis surprise du mois de mars 2019. Je t'invite à regarder dans la description de la vidéo. Il y a mon mail qui s'affiche. Tu m'envoies un petit mail avec tes coordonnées. Je t'envoie les instructions à suivre. Et ensuite, eh bien, tu vas recevoir ça chez toi. Pour tous les autres, ne vous découragez pas. Et suivez-moi, on va tout de suite à l'atelier pour déballer et découvrir ensemble le colis surprise du mois d'avril. Allez, c'est parti! Yeah! On se retrouve donc à l'atelier pour l'ouverture du colis surprise du mois d'avril 2019. Encore félicitations aux gagnants pour celui du mois de mars. Pendant que j'ouvre le colis et que je découvre en même temps que vous son contenu, parce que comme d'habitude je ne suis absolument pas au courant de ce qu'il y a dedans, je vous rappelle les règles. Pour participer, c'est mieux d'être abonné. Mais dans tous les cas, vous pouvez liker la vidéo, ça aussi, ça fait toujours plaisir. La partager, mais surtout, il faut que vous laissiez un commentaire dans la vidéo YouTube, sous la vidéo YouTube, sur YouTube, en indiquant clairement « Je participe ». Le nom du gagnant sera comme d'habitude annoncé dans le colis surprise du mois prochain. Allez, c'est parti! Le colis est ouvert. Waouh, c'est plein! Oh, oh, oh! Ça se voit qu'il y avait pack de pas loin, pas loin, pas loin. Joyeuse Pâques, tant pis pour le régime, avant le mariage, l'équipe Bizline. Merci, j'adore les chocobons. Mais ouais, pff, alors entre les gars qui m'envoient de la bouffe, vous aussi si vous vous y mettez à collaborer, on va pas y arriver. Allez, je te sors le reste. Ensuite, un catalogue général Bizline. Donc ça c'est plutôt cool, tu vois, il y a un petit peu toutes les catégories et puis tu vois un petit peu comme ça tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah, comme ça, vous pourrez voir un petit peu et découvrir tout ce qu'ils font. Et on a une caisse à outils. Ok. Bon, bah ça, c'est cool. Allez, ça, on y met à coin. Donc, une super caisse à outils Bizline. Alors, comme d'hab, je vous foutrai toutes les références dans la description pour ceux qui gagnent, si vous voulez être curieux, et pour tous ceux qui ne gagnent pas. Comme ça, si vous voyez des trucs qui vous plaisent, eh ben, vous pourrez aller voir. Donc, la caisse, déjà, en elle-même, elle a l'air pas mal. Ça a l'air d'être solide. Là, on voit qu'on a des empreintes. Il doit y en avoir derrière. C'est-à-dire que si vous en avez plusieurs, eh ben, vous pouvez les empiler. C'est une caisse qui est bien pour les plombiers et pour les élèques, parce que tu vois, dessus, il y a une petite encoche en V, avec des cotes, tu vois, il y a comme une règle dessus. Et ça, ça te permet, mon bichon,
de venir caler un bout de cuivre, tu vois, tu peux mettre le pied dessus, le couper à la scie, ça va vraiment bien. Ok, maintenant qu'on a vu ça, si on ouvrait cette caisse, allez, parce que je pense qu'elle n'est pas vide. Non, elle est même pleine. Bon, alors dedans, premier truc qu'on a, des marqueurs Bizline. Donc des marqueurs, tout ce qu'il y a de plus simple. Pointe fine, marqueur noir, 0,6 mm. Indélébile, résistant à l'eau, à la lumière, s'utilise sur plastique, pierre, bois, métal, verre. Donc ça, toujours bien d'en avoir un petit peu. On a une super paire de gants. Donc ça, c'est des gants Easy Touch. Ah oui, je les connais ceux-là. Ah oui, ils sont super bien. Déjà, les gants Bizline, ce que j'adore, tiens, je les ouvre. Déjà, les gants Bizline, ce que j'adore, ça peut paraître con, mais c'est ce scratch-là. Tu vois, hop. Moi, je les fous toujours ensemble et comme ça, tu perds jamais la paire. Et ça, c'est vraiment bien. Ceux-ci, ils ont la particularité d'être carrément fins, dis donc. Ah ouais, donc ça, c'est carrément cool parce que comme ça, tu vois, tu perds pas le toucher. Alors, ce sera pas les meilleurs gants d'un point de vue coupure, blessure, etc. Mais par contre, ça peut vous protéger pour des tâches, on va dire, courantes d'une journée d'artisan ou à l'atelier. Ça, c'est quasiment des gants que tu peux presque porter toute la journée tellement que la préhension est bonne. Ça, tu vois, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est vraiment bien. Allez, je les garde pour la suite. Donc, une paire de gants. Ensuite, on a une pince multiprise Bizline isolée 1000 volts. OK, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Le petit plateau de rangement qui va bien, bah justement, pour pouvoir se barrer avec les outils en main. Donc ça, ça fait partie de la caisse à outils. Ensuite, on a... Je découvre avec vous, hein. Ah tiens, ça, c'est une bombe d'air sec. C'est pas mal, ça. C'est du dépoussiérant. En gros, c'est comme un espèce de mini-compresseur. Voilà, c'est pour te faire... Si t'as besoin de nettoyer un truc avec de l'air comprimé, mais que tu n'as pas d'air comprimé sur ton chantier, tu sais, par exemple, un fond de boîte d'encastrement ou quoi que ce soit, eh ben, voilà, dedans, il y a de l'air comprimé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu peux t'en servir pour plein de choses. Moi, je m'en sers aussi, tu sais, pour nettoyer le clavier de l'ordinateur, tous les trucs comme ça. Ensuite, on a un lot de tournevis 1000 volts. Alors là, je suis content qu'il ait mis les bichons parce que je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à Radio Bichon, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait une chaîne YouTube secondaire. Je vous mets un lien juste ici, là, dans le i. Je vous invite à aller voir et à aller vous abonner. C'est une chaîne qui s'appelle Radio Bichon. Cette chaîne, elle a deux particularités. La première particularité, c'est que tout ce qui se passe dessus, c'est toujours du live. Souvent, ce sont des matinales. Et la deuxième particularité, c'est tout ce qu'il y a sur cette chaîne Radio Bichon, c'est rediffusé ensuite en podcast sur toutes les plus grandes plateformes. C'est essentiellement une chaîne d'information et d'actualité bricolage et bâtiment. Donc dessus, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. On va voir des marques, ils nous parlent de leurs produits, mais on fait aussi des émissions standards et variées. On parle de tout, de rien. Mais en gros, c'est de l'actualité, de l'information, bricolage, bâtiment, maison, déco, voilà. Je vous invite à aller découvrir cette chaîne. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, on a fait un Radio Bichon sur le terrain où on s'est déplacé à Montpellier. Dans un Rexel où il y avait Bizline qui faisait une petite animation, on était ravis de se déplacer là-bas, on a vu plein de bichons et il nous avait présenté ça. C'était Fred qui nous avait présenté ça et ça, c'était vraiment une petite révolution. Donc je vous en parle pas plus, mais je vous mettrai les liens et allez voir. Il y a l'émission qui est en replay, bah justement sur cette chaîne YouTube. Allez voir l'émission en direct de chez Bizline à Montpellier et vous allez voir, on parle de ces tournevis, c'est de la balle de chez Balle. Ensuite, on a une petite lampe. Alors ça, j'adore parce que Bizline, ils sont toujours super balèzes en lampe. Autonomie 3 à 8 heures. Ah oui, tu peux la monter à 420 lumens, 120 degrés. Elle fait 300 grammes. Et ça, ça a l'air d'être cool. J'adore toutes leurs petites lampes. Donc déjà, on voit que le bout, là, il est aimanté. Attends, j'essaye. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on voit qu'ici, visiblement, ouais, il y a un petit crochet pour la suspendre. Quand tu bosses, tu sais, quand tu es dans les combles, soit un évier, etc. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, ce crochet, il fait aussi clip ceinture. Donc ça, c'est cool aussi. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Ici, on a un petit positionneur qui nous permet de mettre la lampe dans pas mal de positions. Bizline, ils font vraiment du super matos. Et en plus, là, on est vraiment sur un revêtement, tu sais, super caoutchoucé, donc anti-choc et tout. Vraiment bien. Alors là, on a, je pense, un petit port USB pour la recharger. Et ensuite... Ici, on a deux puissances d'éclairage. Ah, il y a une petite lampe en bout aussi. Donc, 1, 2 et 3, tu vois, il y a une petite lampe aussi en bout. Qui est peut-être un petit peu, tu vois, un faisceau un peu plus concentré. Allez, hop, on la refout dans sa boîte.
Nickel. Ensuite, on a Bistrack. Alors, c'est quoi ça? Colle instantanée. Tiens, ça, je savais pas. Collage express de tous les matériaux, maintien immédiat, résistant à 300 kg, possibilité de le peindre, surface étanche. Alors ça, ça a l'air d'être terrible. Alors attends, adhère au béton, brique, ciment, bitume, bois, PVC, métal, colle élastique de fixation ultra rapide, machin spécialement formulé pour les collages rapides d'éléments lourds, pour tout support en intérieur comme en extérieur. Résistance de 300 kg pour 10 cm carrés. Alors tu vois, c'est... Tain, alors ça je savais pas. Ça veut dire que c'est encore plus solide que la colle MS polymère que j'utilise d'habitude. Tu vois, alors tu vois, ça je connaissais pas du tout. Ça je connaissais pas du tout. Bistack. Colle en 3 secondes. Putain, mais c'est débile ce truc. Ok, bah alors ça par contre je vais y essayer. Donc voilà, une cartouche de colle Bistack. Ça, ça a l'air carrément cool. Ensuite on a spray antistatique nettoyant optique. Ah bah ça, ça doit être pour les écrans. Ouais. Nettoyant de surface optique. Ok, donc un nettoyant de surface optique. Donc je pense pour les écrans, les trucs de téléphone et tout. Ensuite, on a un niveau. Je les adore aussi, leurs niveaux. Ils sont super bons là-dedans parce que leurs niveaux, ils font toutes plein de choses. Multifonction. Donc aimanté. Là, ici, tu vois, t'as un petit truc pour, pareil, pour venir épouser la forme d'un tube, d'un câble ou d'un tubiro. Là, tu vois, on a donc le niveau à bulle horizontal, niveau à bulle vertical, les 45 degrés. Là, ici, on a des emplacements pour venir faire les trous. Je pense que si ça se trouve, ça a été peut-être même calculé, tu sais, pour des... Faudrait y regarder, mais normalement, quand ils font ça, tu vois, ils y calculent exprès, tu vois, style des anthrax de boîte ou tout ça. Là, il y a en plus une petite lumière pour qu'on puisse voir sur le côté. Là, il y a 4 aimants. Encore un super produit, hein, tout en aluminium anodisé. Super bien. Putain, ça, c'est du beau matos aussi. Deux boîtes de chevilles. Donc, on a de la 6-30. Donc, tu vois, multimatériaux, ça, c'est pas mal. Donc, c'est de la cheville de 6 par 30 mm. Et on a la même chose en 6-40. Deux boîtes. Ah non, une boîte de 100, une boîte de 200. Bon, bah, écoute, ça, ça a l'air carrément top. Et bien sûr, pour finir, la super caisse à outils. Nickel chrome. Une boîte de chocobon. Merci, j'ai pas fini de pédaler. Un truc de Bistack, colle super puissante, super rapide. Un catalogue général. Une boîte de cheville, ça c'est la 630. Une super lampe. Un coffret de tournevis, allez voir le Radio Bichon, vous allez halluciner. Ils sont juste géniaux de chez géniaux. Un super niveau mètre multifonction et tout, super bonne qualité. Une boîte de cheville, ça c'est du 840. Un nettoyant de surface antistatique. Une bombe de dépoussiérant, une pince multifonction, des petits marqueurs qui marquent sur un petit peu tout, et le couvercle de la caisse à outils. Et voilà. Moi, vraiment, ce qui me surprend à chaque fois qu'on se le dise, c'est qu'au début, quand on a décidé de mettre ça en place avec Bizline, d'abord, j'avais trouvé que c'était une super idée, parce que comme ça, vous pouvez gagner tous les mois du matos, et là, encore une fois, il y en a pour de la thune. Hein, ne serait-ce que le prix des chocobons, alors tu vas pas commencer, je déconne bien sûr, mais surtout en fait au départ, on s'était dit on va leur faire gagner 4 choses par mois, et là on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 choses, plus le catalogue, plus le paquet à chaque fois, la petite surprise qu'ils nous mettent. Donc franchement, Bizline, encore une fois, je pense qu'on peut les remercier. Je vous mettrai comme d'hab tous les liens vers leurs réseaux sociaux. Si vous avez 2 secondes, franchement les bichons, ça mange pas de pain. Prenez le temps d'aller leur faire un petit coucou, d'aller leur dire merci pour tout ça. Parce que des gars comme ça qui tous les mois vous font gagner des trucs, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout là, la qualité du matos, bah, ça fait toujours plaisir. C'est la fin de ce colis surprise les bichons. Comme d'habitude, pour participer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, vous pouvez la partager. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout pour participer, dans votre commentaire, il faut que ce soit marqué « Je participe ». D'ailleurs, on va bientôt rattaquer les pauses café. Et puis tout de suite après cette vidéo, je vais continuer de vous préparer les tutos parce que je sais que vous en êtes friands. Je vous souhaite une super journée. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. A bientôt les bichons. Allez, yeah! Et j'y vais.